Hey, salut tout le monde, c'est Marcassin. Dans cette vidéo, je vais parler du cas d'un joueur qui a des soucis sur le jeu, qui voudrait s'améliorer, donc c'est parti. Donc le joueur en question, il s'agit d'Anulos, qui récemment on a fait des scrims, on a joué ensemble et tout, et il n'arrivait pas à performer, il était mauvais, franchement il faisait pas de kill et tout, donc on s'est dit, il y a un truc qui va pas, donc il m'en a parlé, et puis je me suis dit que j'allais faire cette vidéo justement pour l'aider. Donc déjà premièrement, ce qui est important, c'est de choisir un TR sur Emerald, parce que de toute façon les autres serveurs sont fermés. Donc c'est parti. Souvent quand on n'est pas bon sur un FPS et tout, on se dit putain c'est mon aim. On pense beaucoup à l'aim, on se dit ouais l'aim c'est quelque chose d'important, et c'est vrai, c'est quelque chose d'important. Ça fait beaucoup, ça joue beaucoup, mais le truc c'est que y a pas que ça dans la vie et dans les jeux. Y a pas que l'aim, y a aussi les placements. Savoir se positionner, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà ma solution pour moi. Déjà, la première chose que tu devrais faire, ce serait d'aller à la Wargate d'Indar en TR et de pull une hante. Une hante stock, évidemment, sans aucune amélioration. Et le but, en fait, ça va être de se ressourcer, de te concentrer sur autre chose, de plus penser à tout ce qui est l'aim, le placement, etc. Toutes ces choses qui te préoccupent, qui te perturbent, qui te rendent la vie impossible. En tout cas, ta vie de gamer impossible. Cette hante stock, c'est vrai qu'elle est pas très belle. Mais c'est peut-être un des véhicules qui a la meilleure physique dans ce jeu. Donc voilà, donc là, on est face à un espèce de rocher de corsium. Et là, tu vas, pendant des heures, récolter du corsium. Tout simplement. Donc ça, c'est ma thérapie pour tryharders qui ont un peu, comment dire, bah, qui ont fait un burn-out, en fait, tout simplement. Alors, on va essayer de remplir l'ante à fond. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. La thérapie n'est pas complète. Il faut trouver, donc, sur la petite map, ici, là, en bas... à gauche, donc on a la map qui s'affiche, on peut l'agrandir avec H, c'est plutôt sympa, surtout quand on fait de lente, et on va attendre, enfin, on va vérifier qu'il n'y ait pas des minerais de corsium qui apparaissent sur la carte. Une fois qu'on a repéré les minerais de corsium sur la carte, il faut être très très attentif, c'est le seul truc auquel il faut être attentif quand on veut pratiquer cette thérapie très efficace. Ah, ben en fait, je les vois pas sur la carte, mais je peux les voir sur l'écran, on peut en voir un ici et un ici, donc on va aller directement. Alors on commence à les voir apparaître sur la carte, on voit ils ont popé, donc on va pouvoir aller récolter le corsium et voilà. Donc c'est bon, l'ante est pleine, et normalement à ce moment là quand l'ante est pleine, tu peux avoir une espèce de sentiment de satisfaction assez incroyable. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je me trouve très heureux maintenant que je sais que ma hante est pleine. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais la vider dans un silo. Donc, je sais pas qui est ce silo, mais c'est pas grave. Ça fera très largement l'affaire. Ça m'évite de me déployer, de perdre du temps pour cette thérapie. Et du coup, je vais pouvoir vider mon hante dans le réservoir du silo. Voilà. Oh putain, elle se dégrade. Il y a un truc qui déconne, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. On peut aussi réparer les constructions avec l'outil de réparation. D'ailleurs, dès qu'il y a quelque chose à réparer, par rapport à cette thérapie, justement, ça va être important de penser à aider un peu les autres, de plus focaliser sur soi, sur notre KD, notre KPM. Vraiment, il faut partager. Il faut aider les autres, tout simplement. C'est le don de soi, c'est très très important. Du coup, bon, bah là, je répare ce silo qui ne m'appartient pas. De base, j'aurais aucune raison de le faire, mais là je le fais, et eh bien une fois que ce silo sera réparé grâce à moi, je me sentirai changé, je me sentirai nouvel homme, et c'est une partie de mon burn-out qui va s'en aller. Voilà, donc là j'ai réparé ce silo, je suis heureux, je vais pouvoir continuer ma quête et récolter de nouveaux minerais de corsium. On regarde son écran, sa minimap, on vérifie, on regarde autour de soi s'il n'y a pas du corsium à l'horizon, et là ça tombe bien, il y en a juste devant moi. Merde, je me suis un peu raté. Voilà, donc là j'ai récolté mon corsium. Bon, j'en ai pas suffisamment, il va falloir que je le remplisse, donc il faut que je trouve de nouveaux minerais. Mais voilà, ah ben là-bas en face il y en a un énorme. Oh, putain, j'ai jamais vu un aussi gros. Et ben voilà, ben je pense qu'on va pouvoir finir la vidéo là-dessus. Le principe de la thérapie, vous l'aurez compris, et surtout toi Anulos, tu l'auras compris, c'est de penser un peu à autre chose que de se concentrer sur les choses qui fâchent, comme l'aim, le placement, le KPM, tout ça. Ah non, en fait, on va pas terminer la vidéo là-dessus. Donc, grâce à tout ce corsium, je vais pouvoir construire des modules qui vont m'aider dans mes thérapies. En plus, je fais des directives
ce qui me satisfait d'autant plus. Je suis vraiment comblé à ce stade-là du jeu. Je me rends compte que pendant toutes ces années, j'ai farmé, j'ai fait des kills, j'ai tué des gens, j'ai été particulièrement méchant. Et là, tu vas comprendre ce que c'est que la réalité, quoi, la vie, l'amour. Donc, je le déploie, même si j'ai peut-être accès au silo, je vais quand même pas voler le corsium à la personne qui a généreusement placé ce silo, donc je fais un mur, voilà, et on va pouvoir terminer la vidéo là-dessus. Je fais un mur face, merde, oh putain ça tourne vite, je fais un mur face aux mauvaises ondes, voilà, j'appuie sur E, le mur se crée, et voilà, la thérapie est terminée. Donc voilà, j'espère que la thérapie pour le burn-out des tryharders vous aura plu, ou en tout cas qu'elle sera efficace pour vous si vous souffrez des mêmes problèmes qu'Anulos en ce moment. Donc gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos tout aussi intéressantes. Salut !